J'ai pris des siècles pour t'écrire la première partie de cette lettre et mis au final un peu plus de 3 ans à savoir qu'il fallait la terminer. Quand tu liras ces lignes, une partie de moi sera partie d'ici, partie je ne sais où, et il restera de moi ces instants. Je serai à jamais à marcher le long du canal en rentrant de chez toi. Je serai le vent au sommet du Grand Area, les lacs de Pologne, je serai les rivières souterraines. Je serai des photos, des dessins, des gribouillages faits à la va-vite sur les pages d'un cahier. Je serai l'histoire d'amours impossibles, l'histoire d'un homme qui avait voulu vivre pour l'éternité. Grâce au plan joint à cette lettre, tu trouveras l'endroit où tu pourras chercher ce que je voulais te laisser de moi. Mes journaux, cette grande lettre que j'ai écrite pour toi et pour ce que j'aime. Quand tu auras trouvé ce tout petit trésor de pirate, je te demande de le protéger. J'aurais dû commencer à écrire plus tôt, et c'est sûrement là mon plus grand regret. Je regarde une photo de toi en train de sourire. C'était il y a quelques mois, nous avions tant rigolé. Je ne savais pas encore qu'il ne nous restait plus beaucoup de temps. Tu m'avais dit qu'un jour, il faudrait que je t'emmène voir un glacier. Je m'excuse de n'avoir pas pu le faire. J'ai un grand service à te demander. Tu trouveras jointe à cette lettre une liste de personnes dont j'ai mis les coordonnées à jour. Il y a sur mon ordinateur la numérisation de mes journaux. Je souhaiterais que tu leur transmettes ces fichiers. Quand vous voudrez m'entendre parler, on n'aurait qu'à tourner les pages et lire quelques lignes. Il est 14h. Dehors, le soleil brille. Dans quelques dizaines de minutes, tu seras ici avec moi. Je sais que c'est la dernière fois que je te verrai. Je vais essayer de ne rien laisser transparaître. Ces moments auront tant de valeur pour moi, si seulement je pouvais arrêter le temps. J'ai mis 1 heure à chercher comment m'habiller, chercher quelle musique te mettre quand tu arriveras. Au final, j'ai choisi le silence. La musique, ce sera le son de ta voix. Certains pensent qu'à la fin, lorsqu'on meurt, la dernière vision qui nous est restée dans l'âme demeure figée pour l'éternité. Sois sûr que je penserai à toi à ce moment-là. Je dois te remercier d'être resté ici avec moi. Quand il y a 10 jours, l'ordre a été donné de rejoindre les vaisseaux Arche pour partir. D'une manière ou d'une autre, tu avais dû comprendre ce à quoi ce choix nous engageait. J'ai parlé aux esprits hier soir. Il est 14h22. Je n'ai pas peur. À la radio, ils disent que la grande lumière se rapproche. 14h25. Ça y est. J'imaginais que le moment allait être plus solennel. Mais non. Je n'ai pas peur. J'ai souri. Je rigole même.